Débordé, les rêves deviennent réalité de la vie des enfants. Merci au chef de l'État, merci au gouverneur, merci au maire de la ville. Les enfants des épaules, pour l'union, ceci, l'étonne et c'est moi. L'électrification de la ville de Zongo, 51 ans après sa création, est un motif de fierté et de soulagement pour ses habitants qui vivaient depuis des décennies dans le noir, en face de Bangui, capitale centrafricaine éclairée 24 heures sur 24. C'est ce qui justifie une importante marche de loyauté et de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers cette action d'envergure, est en train de matérialiser sa vision salvatrice de moderniser de plus en plus cette ville vitrine de la RDC devant la République centrafricaine. Batali Bolam Oyo Tata Mukwenzi Kolo Fatu Beton, Azali Bosala pour l'intérêt à Villa Zongo, Yamana Telokangi Lelo, Osangana, Kotam Bolaba Force Vive, ma parti politique, ma jean à l'État, ma couche union surtout, si ma monsieur le maire de la ville de Zongo, maître Siazo. À en croire, le maire de Zongo, Michel Siazumbuyi, qui a organisé cette marche avec le concours de toutes les forces vives de Zongo, l'image de cette partie de la République est en train d'être transformée positivement grâce au leadership du président Félix Tshisekedi, qui mérite le soutien de tous ses administrés. Comme vous le savez, le président de la République était de passage ici lors des inondations de triste mémoire. En 2019, et lors de son passage,